Hey, hop, tout le monde, c'est Swartex pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du quartier des abonnés. Donc excusez-moi déjà, la semaine dernière il n'y a pas eu d'épisode du quartier des abonnés, tout simplement j'étais en vacances et j'ai pas eu le temps de tourner, j'ai pas pris le temps de prendre de l'avance dessus en construction et tout, donc du coup il n'y a pas eu d'épisode, mais normalement cette semaine il y aura peut-être plusieurs épisodes, il y en aura deux je pense. Donc aujourd'hui, 3 maisons, mais avant de commencer, je tenais à m'excuser aux 3 personnes qui ont fait les maisons de l'épisode précédent. J'ai été ultra sévère dans les notes, c'est pour ça que j'ai décidé de vous rajouter à vous 3 un point chacun. Voilà, donc toi, ça te fait, Nilou, ça te fait 11,5. Voilà, donc j'ai été sévère, vous me l'avez dit dans les commentaires, je vais essayer de pas trop être sévère aujourd'hui, voilà. 14 pour Diamond Stuff, c'est plutôt bien. Et pour Mr. Crazy, ça fait 13. Donc voilà, pas 23, non, 13. Voilà, donc je m'en excuse, hein, j'étais un peu sévère. J'espère que vous ne voulez pas. Aujourd'hui, je vais essayer d'être un peu moins sévère. Donc on va tout de suite commencer par présenter les 3 nouvelles maisons, sachant qu'une. Que la dernière, la 25x25, je ne l'ai pas reproduite sur la map parce qu'elle était trop compliquée. Donc, on va commencer par la maison de Lucas Diablo. Donc, c'est une maison qu'il a présentée en vidéo et qu'il m'a envoyée. Donc, elle fait 20x20. Donc, une très très belle maison avec du bois, beaucoup de quartz, de la clé. Voilà, c'est vraiment. Une bonne association, t'as un très bon builder, ça tout le monde le sait je pense. Là t'as démontré tes talents au niveau moderne, c'est pas ton style de prédilection, mais t'as bien réussi. Avec ce toit aménagé, c'est assez rare mais c'est assez rare pour le dire. C'est vraiment assez intéressant avec cette grande façade en bois qui donne. Un style assez original à cette maison. On peut tout de suite aller à l'intérieur, donc il y a plein de petits recoins, c'est assez sympa. On arrive directement dans le coin télé. Une très belle télé. Un très beau canapé, j'aime beaucoup le canapé. Seul petit défaut dans ta déco intérieure, c'est qu'il y a beaucoup de quartz. T'as pas vraiment varié la décoration intérieure, je sais qu'il a fait rapide, mais bon. Là, si on va là, c'est un petit balcon, donc ça donne sur l'extérieur. Hein. Là, c'est tout pour le rez-de-chaussée. À l'étage, il y a quoi? Il y a un très très beau meuble. J'aime beaucoup ce style de meuble, donc bravo à toi. Une très belle étagère. Donc là, l'étage est plutôt bien réussi. Espace PC, une petite table. Voilà, là, on arrive sur un balcon. Voilà, de l'autre côté aussi, donc sur les autres maisons. Et. Là-bas, pareil, donc c'est assez sympa. Malgré que ça soit beaucoup trop quartz à l'intérieur, c'est ce qui va faire perdre des points, je pense. Sinon, la façade est vraiment. Il y a du relief hein, quand même. On voit, il n'y a pas un endroit où c'est, on va dire, plat. Voilà, donc à l'état. Sur le toit, donc c'est espace piscine avec bar. Voilà, c'est rigolo. Là, on peut tomber, hein, on s'en fout. Très beau petit plongeoir, très simple mais fonctionnel. Voilà, petit balcon encore une fois. Donc vraiment bravo à toi pour cette maison qui est assez bien réussite. Hein. On va tout de suite passer aux notes. Donc au niveau aspect général sur 10 on va te mettre un 7,5. C'est vraiment une très belle maison. En relief sur 5 on va te mettre un 4. Ça te fait 11,5 pour l'instant. Et en décoration intérieure, c'est pas top top. On va te mettre un 2,5. Donc ça te dit, avait dit combien 11,5 14. J'ai un peu de mal, c'est le matin. Le calcul, c'est pas pour moi. Donc 14 pour toi, donc pour cette très jolie maison. Bravo à toi. Et merci d'avoir envoyé cette maison. On va tout de suite passer à la maison. D'une personne que vous connaissez, je pense, tous. C'est la maison de Dave Crafter. Il m'a envoyé sa maison. Donc une maison en style moderne, assez originale, qui allie la clé gris et orange avec du vert. Voilà, c'est
fait, c'est 4 blocs, hein, à peu près, qu'il a assemblé. C'est assez original. Assez original, donc aspect extérieur, c'est original, mais bon, le relief avec les fenêtres, c'est moyen. Tu en as fait, mais tu aurais pu faire pousser encore plus. Où ça pêche, c'est le toit. Tu aurais dû faire différents niveaux, parce que là, ça fait vraiment plat, ça fait pas fini. Je pense que tu aurais fait différents niveaux, jouer avec les demi-dalles, voilà, ça aurait été assez sympa. Là, tu aurais fait une superbe maison. Ensuite, à l'intérieur, c'est là où tu as vraiment explosé. Une superbe déco intérieure, donc on va tout de suite commencer par la cuisine. Donc, très simple, c'est peut-être le point négatif de l'intérieur. La cuisine qui est pas génial, mais ça va. Espace pour manger, donc tu as fait un sol en demi-dalle, ça donne. Un bon rendu, voilà, donc une table. Là, espace, enfin là déjà un petit meuble. Donc, on l'a déjà vu dans une des autres maisons. Hein. La douche, vraiment très bien aussi. Bravo à toi. Sèche-serviette. Les WC, ça me fait rire quand je les ai refaits. Voilà, parce que ils sont vraiment bien réussis. Donc c'est un bloc de quartz, un escalier et une dalle de quartz. Donc, c'est vraiment bien réussi. Et là, le lit. Vraiment, t'as bien réussi ta maison. Donc à l'intérieur, il y a différents niveaux au niveau du toit, mais pas à l'extérieur. C'est assez dommage, parce que ça mérite d'être un peu plus travaillé le toit, comme celui de Luca Diablo, qui est quasiment parfait. Donc on va passer aux notes. L'aspect général, c'est une belle maison, hein, on va pas se cacher. Donc sur 10, on va te mettre un 6. Un 6,5, allez, un 6,5 dans une assez jolie maison. La décoration intérieure qui est vraiment bien réussie, on va te mettre un 4. Voilà, donc, et le relief, on va te mettre un 2,5. Donc ça te fait du. Je sais plus. 6,5, j'avais donné quoi en décoration intérieure? J'ai donné 4. Donc là, ça fait du 10,5. Et en relief, je t'avais mis 2,5. Donc ça te fait 13, une maison à 13 sur 20. Bravo à toi, assez jolie maison. Voilà, donc je suis un peu plus indulgent, hein, vous le voyez. Parce que j'étais vraiment assez sévère. Donc, on va se retrouver sur la map de l'autre maison, parce que je n'ai pas refaite. Il y a l'espace, mais il n'y est pas. Donc, les gens. Et donc, on se retrouve après cette courte ellipse devant la maison du génie MCPE. Pour moi, c'est le meilleur builder. La maison de Wasabi. Donc, regardez ce truc. C'est tout simplement géant. Je crois que tu as mis 7 heures pour la faire, c'est tout simplement énorme ta maison. Avec des murs à 4, 5, enfin c'est. Pour faire c'est impossible. Avec ces lianes qui recouvrent, qui ont un peu envahi, c'est vrai, mais ça donne un style, moi j'aime bien. Donc vraiment une façade avec énormément de relief. Voilà, du relief, du travail avec ces espèces de X. Voilà, donc c'est une maison qui est ronde. Hein. Ronde, mais en même temps ça donne pas cet effet là, donc vraiment bravo à toi. Donc on va aller à l'entrée, si j'arrive à trouver le bouton du milieu, voilà. Donc c'est The Wasabi Palace, donc voilà. Donc là le porche, on va dire, voilà, très bien réussi. On va pénétrer là, donc regardez cet intérieur, il y a de la hauteur, il y a de l'espace dans cette maison avec cet ascenseur, voilà, cet ascenseur qui est vraiment super bien réussi. Donc la déco, donc là il y a une immense cuisine super bien réussi, donc très original le frigo, voilà. Là les coffres en dessous, c'est sympa, ça porte de la lumière, bravo. Lavabo incrusté dans le mur, ça fait les plaques de cuisson, c'est assez sympa, je pense, c'est ce que tu as voulu faire. Le plan de travail, les chaises, espace à manger et la grande bibliothèque. Donc, vraiment, c'est géant. La décoration est quasiment parfaite. Très épurée, mais quasiment parfaite. Donc, on va aller. Juste appuyer sur le touche sauter.
Donc voilà, l'ascenseur est super bien réussi. Et là, on arrive à l'étage. On arrive à l'étage, donc sur le balcon. Donc on n'a pas l'impression qu'il y a un étage de l'extérieur, mais c'est super grand. Donc on arrive là. Donc là, c'est l'espace salle de bain. Avec lavabo, baignoire, voilà, étagère. Enfin, c'est super sympa. Donc on a wellpé devant tout le monde. Hein, c'est, pourquoi pas. Je sais pas que tu faisais du naturisme, Wasabi, mais pourquoi pas. ensuite, là, l'immense chambre. Donc, un lit. J'adore ce lit. Je vais sans doute le reprendre dans une de mes constructions, maison. Voilà, c'est ce que j'adore. C'est super réaliste. Donc là, toujours avec ce, sur un balcon, en fait. Hein, et puis là, l'étagère avec le placard avec les coffres. Donc, vraiment super bien réussi. Ta maison. Super bien réussi. Bravo à toi pour cette maison. Il y a un... Ah oui, ça fait tout le tour. J'ai rien dit. Donc on va redescendre, vous voyez, avec la vue sur la pièce principale. Donc on va tout de suite passer aux notes. Donc l'aspect général sur 10, ben, je pense qu'on est tous d'accord. Hein. C'est du 10 sur 10. La déco, le relief sur la façade sur 5 aussi. Ça fait du 5 sur 5. Et la décoration intérieure, pareil, je te mets un 20. Bravo à toi, c'est une maison parfaite. Parfaite pourquoi? Parce que j'ai pas réussi à la refaire, tout simplement. Non, mais voilà, c'était... grand bravo à toi. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de reprendre les panneaux. Oh là 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 là. Donc un 20 pour toi. Un 20 sur 20 pour la maison de Wasabi. C'est une première sur le quartier des abonnés. Ça devait arriver. Et il n'y avait qu'une personne, je pense, pour la faire. C'était Wasabi. Donc bravo aux trois personnes qui m'ont envoyé. Donc Wasabi, tu remportes cet épisode, si on peut dire ça. Donc grand bravo à toi. On se retrouve pour un prochain épisode. Ne me demandez pas pourquoi il n'y a pas ma maison dans cet épisode. J'en ai beaucoup, j'en reçois beaucoup. Et je les écoule par ordre d'arrivée. Donc si elle n'y est pas, elle sera montée dans un autre épisode. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait. Puis moi je vous retrouve pour le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde.